Allez, salut, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, le Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Essayez de vous abonner, essayez aussi de me donner des likes, parce que ça fait plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là juste pour vous donner une information en ce qui concerne l'Université Khalifa. L'Université Khalifa qui est à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Saoudites. Voilà, ils ont fait une ouverture, une porte ouverte. Et ici, vous allez pouvoir postuler à la bourse qui est à l'université de Khalifa. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fait, la bourse, c'est dans les normes, c'est la licence, le master et le doctorat. Mais en ce qui concerne le fall 2021, c'est-à-dire pour l'automne, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre, c'est seulement le master et le doctorat qui peuvent remplir et postuler. Et ceux de la licence, si vous devez remplir, c'est forcément pour la rentrée de janvier. Voilà, donc ici c'est l'application qui est la plus simple, c'est la plus simple des applications de l'Arabie Saoudite. Donc vous savez déjà que eux, ils sont pas aussi complexes en ce qui concerne les applications pour pouvoir postuler aux bourses et aux admissions. Donc ici, dans un premier temps, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est d'avoir au moins votre passeport auprès de vous, voilà, et votre diplôme aussi, votre relevé. Et aussi essayer de les traduire en anglais, voilà, essayer de les traduire en anglais. Pour ceux qui ont les documents en arabe, c'est pas un problème, voilà, vous pouvez laisser. Et pour ceux qui veulent faire les cours, par exemple comme ça, en anglais, ils doivent forcément avoir les certificats d'anglais. Maintenant, pour ceux qui veulent faire les cours en arabe, c'est pas un souci, ils n'ont pas besoin de certificat et tout ça. Vous allez là-bas. Et si vous voulez d'abord apprendre l'arabe avant de commencer le cours, alors vous allez apprendre l'arabe avant de commencer le cours. Voilà. Mais si c'est l'anglais, vous devez avoir forcément un certificat et tout ça. Et vous devez traduire aussi vos dossiers en anglais. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord chercher l'admission, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et ici, je vous donne des informations parce que c'est une application qui est très facile. Vous pouvez vous-même gérer rapidement, regarder et puis tout gérer. Donc, ici, je vous donne. Je vous montre comment est-ce que vous devez avoir l'application. C'est-à-dire, vous venez dans ici, par exemple, académique. Vous voyez, il y a l'admission ici et puis il y a la bourse qui est là. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'admission, vous allez chercher l'admission et après, vous allez chercher la bourse. Donc vous venez dans admission d'abord et vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Si vous êtes en licence master ou doctorat, vous allez choisir votre titre et vous allez postuler en fonction de cela. Voilà, donc ici, vous avez vu ici, on va voir un peu les documents qu'il faut pour la licence. Donc, pour la licence, je considère que je viens pour la licence, voilà. Je considère que je vais là-bas étudier pour la licence. Donc, comme je l'ai toujours dit, ce sont les paramètres de la licence qui sont un peu plus compliqués que ceux de du master et du doctorat, vous comprenez, voilà. Doctorat, c'est un peu complexe, mais c'est pas aussi complexe que ça parce que les documents sont moins. Et voilà, donc un instant que ça charge, vous allez voir un peu le document que vous voulez. Comme je dis encore et je le répète, en ce qui concerne les étudiants de licence, vous ne pouvez pas postuler pour septembre 2021, voilà, vous devez postuler pour janvier 2022 parce que pour septembre c'est déjà fermé, voilà. Mais pour le master, vous pouvez postuler pour septembre et aussi pour le doctorat. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour pouvoir avoir l'admission ici, vous voyez, c'est pas aussi compliqué, ils sont pas très très compliqués. Ça, c'est pour postuler à la licence, c'est pour postuler à la bourse, voilà, excusez-moi, c'est postuler à la bourse. Mais avant de postuler à la bourse, vous devez d'abord postuler pour une admission et venir postuler à la bourse, voilà. Donc pour l'instant, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler à l'admission et après venir à la bourse. Donc ici, vous cliquez sur apply ici, voilà, apply now. Ça, ce que je tente de faire, c'est pour la licence, voilà, apply now. Et lorsque vous arrivez là, vous venez dans, vous voyez ici, admission for the undergraduate fall 2021 term is open. On dit c'est ouvert. Donc vous allez cliquer ici pour voir les deadlines. Les deadlines, c'est la date limite. Vous allez cliquer ici pour voir. Ici aussi, pour ceux qui viennent pour le master, vous
c'est le spring aussi, vous voyez ici. Admission for the graduate spring 2022 is still open until 16th. Donc, pour les masters, pour le spring aussi, le spring 2022, c'est-à-dire pour la rentrée de janvier 2022, vous pouvez postuler jusqu'au 16 octobre. Voilà. Aussi, pour ceux qui veulent faire la médecine, voilà, vous pouvez aussi postuler pour l'entrée de janvier jusqu'au 15 novembre. Voilà. The program is still to run from 10 to 28 April. Ok, donc vous comprenez un peu comment ça se passe. Donc ici, par exemple, comme ça, admission for the undergraduate fall, ce que je vous avais dit, fall c'est pour l'entrée de septembre. Voilà, je vous ai dit que c'est déjà fermé. Donc on va cliquer là pour voir la date limite. Voilà, s'il y a une date limite, ils vont vous dire. Et puis à partir de là maintenant, vous allez commencer. Donc on va cliquer ici application deadline. Oh, on va cliquer maintenant apply now. Ça c'est pour la licence. Voilà, dans les normes c'est fermé. Voilà, ici undergraduate application for fall is closed now. Vous voyez ici c'est fermé. Donc si vous allez postuler, vous allez forcément postuler pour la rentrée de janvier. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc c'est pour la rentrée de janvier. Alors vous devez chercher à postuler, voilà, et vous allez venir pour la rentrée de janvier. Ok, donc comme on ne peut pas gérer en termes de licence, on va passer pour le master pour voir un peu aussi comment est-ce que cela fonctionne pour que il puisse aussi postuler. Voilà, tout est en arabe mais on va mettre en anglais. Ainsi, tout le monde sera satisfait. Ou bien en français, si ça va mieux. Donc, je répète très bien, ceux qui ont déjà les diplômes en arabe, c'est pas un souci. Vous pouvez postuler avec et vous allez étudier en arabe. Voilà, maintenant, ceux qui ont les diplômes en français, comme ça, vous devez forcément traduire. Voilà, donc, ici, pour les nouveaux, comme ça, vous allez cliquer ici pour créer votre compte. Et lorsque vous allez créer votre compte, vous allez maintenant chercher l'admission. C'est pas compliqué, c'est pas du tout compliqué. Ce qui est sûr, si vous avez un souci, vous pouvez écrire inbox pour que je puisse venir vous répondre, pour que je puisse vous guider un peu. Voilà. Maintenant, je vais passer à ceux du master's. Le master's, si je viens là, je vais réguler un peu. Pour ceux du master's. Et je répète encore, lorsque vous finissez comme ça d'avoir l'admission comme ça pour la licence, vous allez maintenant venir là pour venir chercher la bourse, pour venir postuler à la bourse. Voilà. Une fois que vous finissez la licence, et c'est identique pour le master. Pour le master aussi, ça sera comme ça. Lorsque vous allez finir de trouver l'admission, vous allez venir là et remplir les éléments qui sont là pour la bourse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, la bourse, elle n'est pas... Quand je dis elle n'est pas totale, si je dis qu'elle n'est pas totale, c'est vraiment faux parce que eux, quand ils donnent la bourse, elle est vraiment totale. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler pour y étudier, c'est vraiment l'occasion. Mais n'oubliez pas, essayez de mettre tous vos documents en anglais. Donc, si je viens ici, par exemple, pour ceux du master's, on va aller voir un peu ceux du master's. Il y a aussi la médecine qui peut postuler parce que là-bas, c'est la science. C'est vraiment typiquement science. Donc, la médecine aussi peut postuler. Donc, application procedure. Ici, donc voici la procédure pour pouvoir postuler pour les masters et doctorats. Donc, application for Khalifa University of Science and Technology graduate programs are accepted online via the program via the university's graduate admission portal. Donc ici, view the application guideline. Please visit. Ok. The requirement document must be scanned and upload to the online application in the specific. Donc ici le document que vous allez mettre en ligne, c'est à distance. Je suis en train de parler pour le master's. Si je vois les documents ici, je vais vous montrer un peu les documents, comme ça vous allez avoir un peu une idée de quel document vraiment vous devez avoir pour pouvoir postuler. Et les documents ne doivent pas dépasser les 4 mégabits. Voilà. Si ça fait 5 mégabits, l'application va refuser. Ok, donc voici les documents dont vous avez besoin. Pour ceux qui viennent faire, par exemple, le master's ou le doctorat,
document de baccalauréat ou de licence ou de master certifié, voilà. Certifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple c'est en arabe, vous allez certifier ça dans, je vais dire, à l'ambassade de l'Arabie Saoudite dans votre pays, voilà. Et l'équivalence du certificat issu par. Ok, ça c'est l'équivalence. C'est-à-dire pour ceux qui ont d'autres diplômes, qui pensent qu'ils ne sont pas dans les normes, ils peuvent aller à cette institution-là, au ministère des Affaires étrangères. Ils vont leur dire si c'est équivalent au diplôme que souhaite l'application de Khalifa University ou pas. Ok, official transcript show the grading scale. Donc ça, c'est le diplôme qui montre le relevé qui montre les notes. Voilà. Et English Language Proficiency Score Certificate, donc c'est ce que je vous disais, vous devez avoir, pour ceux qui veulent étudier en anglais, vous devez avoir un certificat en anglais, voilà, de TOEFL ou bien ISS ou bien EMSAT. Ok, et ici, Graduate Record Examination Grade Score Report. Ça, c'est plutôt pour les doctorants, voilà, c'est les doctorants qui ont besoin de ça, de Graduate Grade. Donc ici, détail, curriculum vitae, CV. Donc votre CV, passeport type photographe, passeport style, photographe, on a wild background. Donc ici, vous avez besoin d'une photo du passeport, voilà, et le background c'est le fond doit être blanc, voilà. Donc après cela, vous avez besoin d'un passeport ici, valid passport international applicant. Voilà, et Family Books International, ça c'est pas un problème. Valid UAE, National ID Card, National and International Application We Currently Reside In. Ok, ça c'est pour ceux qui vivent déjà là-bas. Voilà, en Arabie Saoudite, les étudiants étrangers qui vivent déjà là-bas. Et ici, Statement of Purpose, ça c'est une lettre de motivation, c'est très important d'écrire une lettre de motivation. Voilà, et. Ça, c'est la thèse, c'est-à-dire, je vais dire comme ça, la thèse, la recherche de PhD, c'est-à-dire ceux qui vont faire le doctorat, voilà, doivent écrire au moins une thèse. Et cette thèse n'est pas une thèse en tant que thèse que vous avez fait, non. C'est le titre de votre thèse, ce que vous voulez apprendre, voilà, et vous donner un peu d'explication en 500 à 1000 mots, voilà. Please note that incomplete application may not be considered. Donc ceux qui vont, si vous n'avez pas respecté tout ce qui est là en ce qui vous concerne, c'est-à-dire le master ou le doctorat, votre application ne sera pas reconnue, ils vont même pas regarder. Accept applicants must submit all the official documents before they register for class. All documents received by the university are the property of Khalifa University and will not be returned. Ok, donc ici on vous dit seulement que avant d'entrer, c'est-à-dire avant de suivre les cours, ils doivent recevoir tous vos documents, voilà. Et les documents que vous allez envoyer ne vous seront pas retournés, donc ce sera forcément des copies, donc ça c'est sûr et certain, parce que vous n'allez pas aller là-bas pour aller leur donner vos documents, les originaux, c'est pas possible. Ok, the following requirement un document which should be uploaded online application. Donc vous cliquez sur online application. Donc le master et le doctorat, c'est ici que vous faites tout. Vous inscrivez ici, voilà. Vous inscrivez ici et ceux qui n'ont pas encore de compte, vous pouvez créer votre compte ici, voilà, pour chercher l'admission. Et pour ceux qui ont déjà le compte, s'ils veulent continuer à par exemple suivre les documents, vous pouvez venir ici pour pouvoir suivre, entrer dans votre compte et suivre si vous avez obtenu l'admission ou pas. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une vidéo, c'est juste une information que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de postuler. Et si vous avez des questions, lorsque vous postulez, vous pouvez poser en commentaire, je vais vous répondre. Voilà, donc les gars, c'est un peu ça, c'est juste une information. Et à plus, les gars, c'est pas une longue vidéo, elle est très courte. N'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu. Et puis, à tout à l'heure, что я могу тебе дать? Вот мое сердце, держи за верность, попробуй купи. Я же поискал тебя, где же мне тебя найти? Ты же привыкла меня.
Sometimes things get tricky, it throws a piece in.